Eh bien bonjour tout le monde, ici Goblin et on se retrouve pour la suite de la carrière avec The Alex Hunter. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser, hein, mais dorénavant il n'y aura plus de vidéo le lundi. En ce moment j'ai des petits problèmes de santé qui ne me permettent pas de jouer à ma guise. Du coup voilà, je suis obligé de sacrifier la vidéo du lundi, il y aura juste le vendredi à 17h. Et puis bah voilà, là c'est l'Atlético de Madrid à jouer en Ligue des Champions tout simplement, et Alex Hunter qui ne fait pas dans le détail. Si Manu veut devenir un grand club, il faut passer par ce sacre repère en Ligue des Champions, parce que remporter la Première Ligue ou la Ligue Europa, c'est bien. Mais à Manu, on veut bien plus. Et Alex Hunter rêve de remporter la Ligue des Champions depuis tant d'années, lui qui l'avait perdu il y a de cela à peu près 5 saisons. À l'époque, avec le Real Madrid, il aura à cœur de faire les choses bien ce soir face à l'Atlético. 8e de finale, aller chez eux. Et bien évidemment, Asensio, qui a été recruté, ne joue pas. Bon, on y va avec cette équipe, elle est belle quand même l'équipe. Il y a Sancho et Anthony. Et Alex Hunter en pointe. Bon, va falloir tout de suite prendre l'ascendant face à l'Atlético de Madrid. On le sait en ce moment, Manu, c'est compliqué. Mais c'est pour ces grands soirs que nous aimons le football. Et c'est dans ces moments-là qu'une équipe peut redorer son blason de la meilleure des manières. Car oui, en Première Ligue, on fait le jeu, c'est vrai. Parce qu'on a quand même pas mal d'avance. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a été éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup. Donc maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et tout de suite, Fekir. Oh, la belle passe avec Sancho. Et pourquoi pas d'entrée. Sancho, non, il a perdu. Attention, on va faire un gaffe maintenant. Oui, attention, parce que là, on a donné le coup d'envoi, on a perdu le ballon. Et direct, c'est fou, c'est l'Atlético de Madrid qui vient presque ouvrir le score. David De Gea qui fait l'arrêt. Oh, ça commence très fort. Mais pas pour la bonne équipe, malheureusement. Le centre, ouais, c'est repoussé. Oh là là, Anthony qui perd le ballon. Hunter, il est trop court. C'est fou. L'ouverture du score d'Alvaro Morata. Oh là là, incroyable. Douché dès la 5ème minute, c'est pas du tout Morata, c'est Malen. Le numéro 9, avant c'était Morata, je crois, là-bas, c'est pour ça. Incroyable. Bon, on va redonner un coup d'envoi, on est vachement bien rentré. Manu n'y arrive plus cette saison. Oh là là, c'est pas possible. Quel début catastrophique. Sancho. Vas-y Alex, là, fais quelque chose un peu, toi aussi. C'est fou. Il a encore perdu le ballon. Ah ouais, d'arrêt, il avait... Attention, attention, attention. Mais l'Atlético de Madrid, ils sont survoltés ce soir. De Gea qui avait joué à l'Atlético, tiens. On me parle pas, c'était il y a longtemps. Oh non, lui qui avait failli signer au Real Madrid en plus. Attention. On n'y est pas du tout dans ce match. C'est fou. On rate tout. On va se faire... Non mais Alex Hunter en Ligue des... Allez, Ndidi, en Ligue des Champions, c'est compliqué, vous le savez. Voilà, on espère qu'on va réagir pour l'ancien joueur du Real Madrid. Anthony, la frappe. Ouais, trop facile pour Yann Oblak. Casemiro, Sancho, bien joué. Fekir, avec Alex Hunter. Alex Hunter qui bute sur le portier de Madrid. Allez, la première réelle occasion. Le centre d'Anthony, c'est manqué. Sancho qui va remettre dans le paquet avec Ndidi. Allez, pourquoi pas. Ouais, bien joué ça. Anthony, bon contrôle. Sancho, non, si. Sancho, on fait des passes. Fekir qui vient égaliser un partout. Ce 8e de finale. Et bien lancé en tout cas. Un partout. Quel but de Nabil Fekir. Ouais, là on a fait pas mal de passes dans leur surface, ça fait plaisir. 1-1 ici à Madrid. Bien joué ça pour l'Atlético de Madrid. Ndidi sans faute. Ouais, mais c'est raté. Attention, ils sont dans notre surface. Casemiro s'est jeté, c'est raté. Oh, la défense in extremis. Et Sancho maintenant. Pourquoi pas avec Alex Hunter. Hunter. Oh là là, il a rien fait Hunter dans cette rencontre pour l'instant. Trop de pression pour lui peut-être, pour l'ancien joueur du Real Madrid.
Allez, Hakimi, bien joué. Allez, à nous. Eh ben non. Incroyable. Attention. Non. Mais non. Allez, Koundé, bien joué. Mais on n'arrivera pas à se dégager là. Eh oui. Juste avant la mi-temps. Ouais, bien joué. Ils réagissent sur la fin. Et De Rea qui fait l'arrêt. Voilà, le corner, et oui, ce corner, on a dépassé le temps additionnel. Une balle de 2-1 pour l'Atlético de Madrid. Le centre, De Rea, il hésite à sortir. Il sort, c'est peut-être trop tard. Non, c'est bon. C'est la mi-temps. Alex Hunter, 0 hein, pour l'instant dans cette rencontre. Obligé de faire avec, hein, malheureusement. Le Real Madrid, eux, mènent 1-0 face... Alors, Latium dans FIFA, c'est qui déjà, ça? C'est Naples? Je sais plus. Ou c'est la Lazio de Rome? Ah, je sais plus, avec leur nom chelou. Je crois que c'est la Lazio de Rome, Latium. Enfin bref, en tout cas, c'est retour des vestiaires et tout de suite l'Atletico sur le devant, même si Malatia la récupère. Fekir avec Alex Hunter. Sancho, et il y a hors-jeu de Alex Hunter, en plus intercepté. Hunter avec Fekir. Alex Hunter, il n'arrive pas à passer face à Fontana, ça fait deux fois. Allez, Anthony, bien joué. Avec Sancho, on n'arrive pas à trouver. Même si Anthony la récupère. Allez, pourquoi pas avec Nabil Fekir. Il s'est retourné face à Fontana. Et Fekir le doublé. C'est lui pour l'instant le héros de Manu. Ça fait plaisir. 2-1 dans ce match aller de Ligue des Champions. Ah, superbe. Hein. Nabil Fekir. Dans le petit filet. De Rea. Je voulais pas la mettre là. Je voulais avec Fekir. J'ai pas mis de force dans la passe. Attention. Ça part d'une mauvaise relance de Rea. Oh non, 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 non. Oh le but. Mais non. Ça part d'une mauvaise relance de Rea. Ah ouais. Et Alex Hunter qui sort là-dessus. Oh là là, quel mauvais match. Et de partout, ça se finit là-dessus. Quel mauvais match aller. Ouais, c'est Manu, c'est compliqué cette saison, on n'y arrive plus du tout. Oh là, on est déçus. Maintenant, on va jouer Burnley. Est-ce qu'on aura le match retour dans cette session? Pas sûr. Hein. Parce que là, on va jouer Burnley. Et non, on n'aura pas du tout le match retour, ce sera pour la semaine prochaine. On est déjà en passe d'être éliminé de cette Ligue des Champions, c'est fou. Allez, on va essayer de... Et voilà, Garnacho qui est titulaire. Voilà, Asensio, il sert à rien. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Évidemment, c'est la grande attraction de ce... Allez, relever la tête, c'est Old Trafford. On a même pas fait le débrief sur l'Atlético de Madrid, mais en même temps, voilà, Alex Hunter, on l'a pas vu, il a été zéro. Comme toujours, c'est compliqué. Très compliqué. On va prendre les tirs, on va espérer avoir un grand Alex Hunter, il va falloir réagir, il s'est ultra fort face à Burnley. Compliqué les amis, compliqué. Allez Hakimi, bien joué. Anthony avec Fekir. On fait un grand match face à l'Atlético de Madrid. Allez Alex Hunter qui va réagir face à Burnley, mais même pas, il n'est plus en confiance le Alex. Elle laisse là, elle est à nous, corner. Mais allez, d'accord, ça marche. Oh l'arbitre, ouais. S'il veut. Il n'y est pas. Pas de pénalty surtout. Bien joué Romero. Anthony. Hunter avec Nabil Fekir. Et on va aller chercher Garnacho sur le côté là-bas. Bien vu. Quelle passe de Fekir. Et Garnacho, il va tenter un centre. Alex Hunter, il est trop court. Garnacho, alors il va essayer. Lui non plus, il n'y arrive pas. On s'impose pas. Et là si, c'est pas fini. Oh, pff, c'est n'importe quoi. Fekir avec Alex Hunter, et pourquoi pas Alex Hunter qui peut peut-être passer de vitesse. Il est passé de vitesse Alex Hunter. Vas-y. Ah mais pff, ça va être compliqué si. Il va rapiquer dans l'axe. La grosse frappe d'Alex. C'est fou. Cet arrêt monumental du portier. C'est pas fini. Ça peut revenir. Anthony. Eh ben non. Il n'y a pas faute sur Anthony. Il n'y a jamais de faute. Et bien joué la profondeur. Non c'est bon. Hakimi qui couvre. Hakimi. Oh bien joué. Super, Anthony.
Oh l'arrêt! Hunter qui vient marquer derrière! 1-0 à la 29e minute, le nouveau but pour Alex Hunter en première ligue. Ouais. C'est mérité après cette première demi-heure. Bien joué. Le 38e but. C'est fou quand même, 38 buts en première ligue. Et encore, hein, cette saison, je trouve que c'est compliqué dans les passes parce qu'on pourrait marquer beaucoup plus de buts. Maintenant, il faut passer ses grisés pour la suite de cette rencontre. Bien joué, cette récupération. Anthony, derrière, voilà, Hakimi. Allez, on redouble de passe, c'est bien joué. Anthony avec Alex Hunter. Hunter qui a fait un petit gris-gris. Et derrière la tête, et c'est Garnacho qui vient faire le break en 2 minutes. Burnley craque. Magnifique. C'est dommage que c'est Hunter qui marque. Quel arrêt du gardien, mais Garnacho a suivi pour marquer de la tête. Ça fait 2-0 ici à Old Trafford. Garnacho, bien joué, mais il n'a pas la vitesse pour la récupérer. Hunter, si, sans faute. Quelle récupération d'Alex Hunter avec Garnacho. Garnacho avec Alex. Alex, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la toupie. Ah oui, cherche tes coéquipiers, là je suis d'accord avec le coach. C'était pas bien. Allez, la récupération. Hunter, dans le temps additionnel. Oh, c'est raté. Ouh, le tacle d'Ndidi. Attention, on va se calmer, ouais. Heureusement que l'arbitre avait sifflé la mi-temps. Parce que ça c'était carton jaune. Allez, on retourne directement pour cette seconde période. Pour l'instant, c'est un bon Alex Hunter qu'on voit, malgré qu'il en fait un petit peu trop avec ses petits gris-gris par moment. Allez, là, il va prendre la profondeur. On va essayer de le chercher avec Fekir. Il va passer, Nabil Fekir. Le petit centre. Ça va être compliqué hein, pour Alex. Il va quand même tenter la remise. Oh, elle était belle, cette remise d'Alex Hunter. Cherche de meilleures options. Bon, c'était pas évident. Hein. Superbe. Voilà, Tia avec Hunter. La frappe d'Hunter. Oh, c'est juste au-dessus. Ouais, bien joué, il n'y a pas d'hors-jeu, la frappe. Oh là, heureusement qu'on a un grand gardien quand même. Par moment, il nous surprend, heureusement. Et Casemiro qui vient défendre avec Garnacho, bien joué. Garnacho qui la perd, et ça c'était prévisible. Allez, on essaie de défendre comme on peut. Même si là, on en regarde, on observe. Et Dura lui fait les arrêts. Garnacho à nouveau. Allez, là c'est une belle prise de balle de Garnacho. Bien joué. Malatia. Avec Alex Hunter. Bien joué avec Garnacho maintenant. Superbe travail. Garnacho dans le petit espace. Il s'est manqué. Il ira la touche pour Manu. Alors que Garnacho lui est sorti. Il a fait un bon match pour une fois. Marcus Rashford. Le retour de Marcus est direct. Il va frapper. C'est complètement raté. Le retour de Marcus Rashford après pas mal d'absence. Il avait parlé depuis le derby. Le derby, allez, où il avait raté le but du 2-2 à la toute fin. Anthony. Anthony qui va chercher Alex. Super. La prise de balle est parfaite. Et il frappe au-dessus. Aura décidément. Anthony avec Hunter. Fekir maintenant. Bien joué. Oui, super, pas d'hors-jeu. Bien joué. Et Alex Hunter qui vient marquer un doublé. 3-0 et le doublé donc pour The Alex Hunter. La nouvelle passe décisive pour Nabil Fekir. 3-0 ici à Old Trafford alors que Tillmans va rentrer pour Fekir. Et je pensais que c'était Marco Asensio qui allait rentrer, mais non. C'est un meilleur visage hein, ce soir que face à l'Atlético de Madrid. Même si attention, Burnley a eu quelques situations, c'est vrai. On voit la nouvelle sur l'engagement et le but, la réduction du score dans la foulée du 3-0. Benson qui vient réduire le score pour Burnley. On prend des buts à chaque rencontre. Malheureusement, Dura avait fait la parade, mais ça n'a pas suffi derrière. 3 buts à 1. Et ça gâche un petit peu cette fin de rencontre. Rashford qui est arrivé comme un assassin derrière. Heureusement, c'est manqué. Allez, faut couvrir. Et c'est fait. Allez, c'est fini. Victoire 3 buts à 1. Ça a été compliqué. Mais la victoire est quand même largement méritée.
Ouais, 8,8 de notes pour Alex Hunter, c'est quand même pas mal. Il aurait pu faire mieux, mais on est quand même satisfait de sa rencontre et de sa performance. Et je pense que le coach va lui mettre un petit plus 25. Et Tottenham a perdu face à Arsenal, ça c'est bien. Et le petit 25, comme je vous avais dit, c'était évident, il a fait quand même un bon match. Ça va redonner le sourire avant de jouer Leeds. Et comme vous pouvez voir au classement, on a nos 9 points d'avance, même plus, on a 11 points d'avance, pardon, sur Tottenham. Et on a un match de moins, c'est-à-dire qu'on peut avoir 14 points d'avance. On a repris notre avantage sur les Spurs, ça fait plaisir, sachant qu'on va les rejouer après le match face à Leeds. Donc on peut vraiment prendre le large. On pourrait avoir 17 points si tout se passe bien. On va y aller comme ça. À l'Elland Road de Leeds United, qui ont que 22 points, qui jouent le maintien plus que jamais. À nous d'en profiter. Sous cette pluie, Alex Hunter déterminé, toujours à marquer en première ligue, vous le savez. Il va prendre les frappes, forcément. Allez, le coup d'envoi donné pour Leeds. Ça serait bien un petit match avec un clean sheet, on aimerait, hein, parce qu'on prend trop de buts cette saison. On n'en prend pas tant que ça en vrai, mais c'est qu'on en prend à chaque match. C'est différent. Allez, bien joué cette récupération. Déjà, Malatia avec Sancho. Bien joué la remise. Il y a Fekir qui réclame. Fekir avec Sancho. Allez, ça c'est bien. Début de match parfait. Alex Hunter avec Anthony. Le début de match parfait. Et déjà un 0 ici à Leeds. Quel début! Et Anthony le Brésilien qui vient marquer un nouveau but. Quel travail de Nabil Fekir avec Alex Hunter. Et voilà. On commence fort cette rencontre. On ne va pas douter comme ça, le septième but pour lui. Oh là, la rage, hein, d'Anthony. Forcément, 1-0 ici. Bien joué. Allez, il faut essayer de défendre sur l'engagement. Attention sur le côté avec Walker. On est sur l'engagement! Et De Rea qui fait l'arrêt. Oh ouais, il peste auprès de sa défense, bah il peut. Attention à ce centre. Oh non, mais non, mais. Et voilà le but sur le corner, sur suite à l'engagement du 1-0. La malchance totale, quoi. Parce qu'on dégage, ça rebondit dans les pieds de Hunter et ça leur donne le ballon. C'est fou cette malchance, hein. Regardez, pouf! N'importe quoi. Et allez, encore un but encaissé, il n'y aura pas de clean sheet. Voilà, je vous ai dit, on prend des buts à chaque rencontre. Et ben, Manu qui va se mettre à douter finalement. Bien joué. Fekir. Hunter, bien joué. Avec Anthony. Bien joué, Anthony. Il va passer peut-être le doublé pour lui. C'est pas fait. Quel arrêt du portier de Leeds United. Allez, c'est récupéré. Allez, deuxième tentative. Oui, superbe. Allez, Anthony. Anthony qui s'avance trop. Mais pourquoi il s'avance autant? Ah, là, on va commencer à douter, là. Allez, si, Casemiro maintenant. On reste dans le camp adverse. Bien joué. On redouble de passe. Mais c'est pas Anthony qu'il faut la donner. C'est à Fekir qui était tout seul après. Le pressing ne paye pas. 45e minute. Le doute va vraiment s'installer. Corner à jouer juste avant la mi-temps. Le centre de Sancho. La tête d'Alex Hunter sans problème pour le portier. Un partout. Ah, c'est difficile, hein. Ouais. C'est dommage parce qu'on peut prendre vraiment le large, hein, sur Tottenham, mais on n'y arrive pas. Et lolo. Alex Hunter, c'est zéro frappe, hein. Dans ces 45 premières minutes. Anthony. Allez, pourquoi pas Alex Hunter? Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Alex Hunter. Il va passer Alex. Alex, le retrait. Superbe. La frappe de Sancho. C'est contré. Attention. Il est tout seul sur le côté là-bas. Ouais, bah laissez-le, hein, laissez-le tranquille, hein. Y a pas de souci. Allez, bah oui, laissez-les. C'est fou. Il y a hors-jeu quand même, merci. Romero avec Anthony. Anthony avec Alex. Allez, sa vitesse là, un moment. Voilà. Allez, Alex Hunter face au portier. C'est dedans. 2-1. Et Alex Hunter qui vient redonner l'avantage à Manu à l'heure de jeu. Le number 7 de Manu.
pour sa première frappe de la rencontre, vient marquer. Ah, c'est mérité. Fekir, ça va être compliqué pour Anthony. D'ailleurs, je souhaite un excellent repos à Nabil Fekir. Hein. Mes pensées pour sa blessure. Fin de saison pour lui, malheureusement. Attention à ça. Voilà, c'est bien défendu. On va arriver dans le temps additionnel. 90e minute. Oh, le retour d'Hakimi. Hunter, bien joué. Et dernier temps, dernière minute de cette rencontre. Et Anthony qui a un bon face-à-face à gérer. Il ne sait pas le gérer correctement. Si, le retrait avec Fekir. Oh, la parade de Martinez. Il aurait été bon. Et Fekir qui sort pour les 10 dernières secondes. Ouais, pourquoi pas. C'est manqué. Sancho pour finir. Et c'est fini. Victoire. 2 buts à 1 de Manchester United sur la pelouse de Leeds. Match compliqué dans la douleur. Une fois de plus, le petit Manu qui s'impose quand même. On va prendre hein, cette victoire, bien évidemment. Hunter, buteur et passeur décisif. Ils ont que 2 frappes, hein, donc la victoire est méritée pour nous. Tout de même. Et du coup, on prend quand même le large, hein, surtout Tottenham. Avant de les affronter pour cette dernière rencontre de la vidéo. On y va face à Tottenham. On a 14 points d'avance sur eux. Maintenant, c'est Arsenal, vraiment notre concurrent, où on a 11 points d'avance. Très bien. On y va à domicile avec notre tenue rouge. Il faut gagner. Pas le choix. Même si c'est qu'un 0, même si c'est un petit manu, c'est pas grave. Dans ce genre de rencontre, on prend ce qu'il y a à prendre. Et ce soir, c'est les 3 points. Stamford Bridge, n'importe quoi. Ultra Ford est plein ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, bref. On va viser la victoire bien évidemment et rien d'autre. C'est parti, le coup d'envoi est donné par Alex Hunter. La victoire et rien d'autre donc. C'est ce qu'Alex a promis à son coach. Oh, la récupération. La super récupération. Alex Hunter qui va frapper. Comme elle vient et l'arrêt du portier de Tottenham. C'est joyeux ce corner. Alex Hunter qui la réclame, il va essayer de frapper pied gauche, c'est pas bien. Et derrière la contre-attaque, non c'est bon, c'est récupéré. Anthony qui l'a réclamé, voilà, bien joué. Le jeu à plusieurs, comme ça. Fekir qui va retrouver Anthony, c'est intercepté. Le dégagement est raté, et la tentative de Casemiro, c'est contré. Bah Ndidi, bah il y a faute là sur... Ndidi, oui, bah voilà, Ndidi qui se venge, prendra sûrement un carton jaune, mais en même temps, lui subit une faute. Oh non, Hakimi qui l'avait récupéré, mais c'est quoi ce but? Harry Kane qui vient encore marquer un but. Ah, c'est n'importe quoi. On l'a récupéré, et bah non, et puis il y avait faute sur Ndidi. Je râle beaucoup en ce moment, et parce que le gameplay en ce moment, il a des problèmes quand même, je trouve. On l'a récupéré 3 fois, ça n'a pas suffi, il y avait faute sur Ndidi, ça n'a pas suffi. Et voilà, une frappe, un but. Et là, il n'y a pas faute sur Alex Hunter. Ah si, quand même. Et le carton jaune. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Allez, l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi? Allez, bien joué. Hakimi. Le centre d'Hakimi, il est raté. Même si Sancho! Oh, il est venu claquer une tête. Et la parade du portier. Le centre d'Anthony sur le corner. Et c'est dégagé. Tout étudié, tout comptabilisé, tout analysé. Bien joué là-bas, c'est Seignon. Toujours à Tottenham, lui, depuis des années. C'est intercepté. Hakimi avec Alex Hunter, bien joué. Hunter avec Fekir. Quelle prise de balle de Fekir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Fekir pour aller égaliser. Oh, l'arrêt de Pickford à la 45e minute. Le corner qui va être joué à deux. Fekir. Bien joué, Romero. Dans la surface, ça va être compliqué, on va essayer de retrouver quelqu'un. Une frappe de Casemiro, le but pour le Brésilien, le troisième en première ligue pour lui, un partout. Juste avant le coup de sifflet final de cette première période, c'est le capitaine. Bon travail de Romero avec Fekir qui la donne ensuite à Casemiro. Et là Pickford se trouve peut-être un petit peu, un partout, et ça va être la mi-temps ici à Old Trafford. On espère une seconde meilleure période. Oui, une meilleure seconde période, je vais y arriver.
Et un Alex Hunter plus dedans quand même, parce que compliqué. On y retourne directement. C'est parti. C'est Tottenham qui donne le coup d'envoi. Et le risque d'être remplacé à nouveau. Hein. La saison dernière, ça arrivait jamais ça. Cette saison, ça arrive souvent un match sur deux en général. Ça va pas. Attention, le 2 buts à 1 pour Tottenham qui vient doucher Old Trafford pour la deuxième fois de la soirée sur leur deuxième tir ou troisième, je sais plus. Son qui donne l'avantage, c'est dur et à mon avis, Alex Hunter va pas rester sur la pelouse longtemps encore. Et Son qui passe, du coup Ndidi tac par derrière, ça sera rouge pour Ndidi, rouge pour Wilfried Ndidi, c'est logique. Ouais. Normal, tac par derrière, pas du tout maîtrisé sur Son. Il avait la volonté de faire mal et en plus là on fait n'importe quoi, balle au pied. La frappe, Casemiro. Et Alex Hunter, et, non bah, il va rester pour l'instant au final. C'est étonnant. Oh là là, bien joué. Et De Gea qui fait l'arrêt, il reste 5 minutes. Pour au moins aller chercher le match nul, mais bon, j'y crois pas trop, même si la Sancho va la récupérer. Anthony, oui, bah oui, dégage là comme ça, c'est bien. La fessée. Et on n'arrive pas du tout à se dégager, c'est logique. 3 buts à 1 pour Tottenham. On a fait n'importe quoi en cette fin de match, c'est Upamecano qui marque. Si même les défenseurs adverses se mettent à marquer face à nous. La course au titre est relancée. Décidément, on n'arrivera pas à prendre le large dans cette première ligue. On n'y arrive plus du tout, on n'y arrive plus du tout. Là, on a pris une sacrée fessée à la maison. Humilié. C'est tout. Alex Hunter qui a encore été mauvais. C'est désastreux en ce moment. Et il y aura même un quatrième but. Non, c'est bon, il y aura un arrêt de Réa. On n'arrive pas à se dégager. On a été catastrophique. On va aller voir les stats quand même. Hein. Cataclysmique. Cette équipe de Manu ce soir. Et pourtant. Oh là là. C'est pas faute d'avoir tenté. Ah ouais, 6 frappes ils ont eu à la fin, on en a eu 7. C'est la fessée totale à la maison. Ça sent le moins 25 pour Alex Hunter, en toute logique. Et oui, voilà, le moins 25. Il va falloir montrer un autre visage dans 3 jours en Ligue des Champions, face à l'Atlético de Madrid. On va aller regarder le classement, mais... Ah, quelle saison horrible. Éliminé de la Carabao Cup. Éliminé de la FA Cup. En très mauvaise posture en Ligue des Champions. Et voilà, classement, on va se quitter sur ça. On n'a plus que 10 points d'avance sur Arsenal. 11 sur Tottenham. Ça reste quand même très bon. Hein. On a encore 3 jokers à 10 journées de la fin. Mine de rien, on se rapproche de la fin de saison. C'est vrai que ça avance vite. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Les matchs, ils sont horribles. Là, les 4 matchs, il n'y a aucun match qu'on a maîtrisé. Très clairement. Et que ce soit Alex Hunter ou les autres, tout le monde a été mauvais. Bon, on verra vendredi prochain. On jouera Brentford en championnat. Et puis Leicester en toute logique. Puis après on verra si on passe les 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a intérêt parce que ça commence à être assez critique. J'espère que l'épisode vous aura plu. Puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, bye bye.